Alrighty, 3, 2, 1, and we are live. Welcome, everybody, back to the Siegel Talks here from the Martin E. Siegel Theater Center at the Graduate Center CUNY in New York City. It's a springtime. People are out in New York, perhaps in bigger numbers than it might be safe or not, but still we are in the middle of a crisis. As we all know, the epicenter is in New York State in the world at the moment, with people infected, people dying. Everything is closed, theaters, restaurants, businesses. It's an unprecedented situation. And for many, many weeks, theater artists have now stayed at home confined. It's against every instinct of a theater maker to stay at home, to not work in space, to not communicate with other people. One of the great things about theater is that humans talk to each other, have a deadline to present something, come to agreements, and try to create meaning, to represent something symbolically with imagination and as a presentation of what might be real or what is real. Like Carol Martin would say, the theater of the real, and theater always has wrestled with this, whether it was Marivaux or whether it was Brecht or other, what is real, what is reality, how do we face it, how do we change it? And now it's a time where we really think about what we are doing, because we can't do what we normally do. It's like fasting, where you think about food. We have had voices from all around the world, from Haiti yesterday, Guy Regis Jr., from Germany, from Belgium, from Egypt, Lebanon, Hong Kong, Italy, and life goes on and on. And all the artists we invited tell us about their situation, which is very special. The way we experience this is one way of experiencing it, but everybody doesn't. We really have to listen to voices of artists, even though I seem to be talking a lot now. But they are the one who are on the right side of justice, of social progress. And we really should listen to them and what they hear, what they feel, and what they engage in their lives. With us, we have the great Jalila Bakar from Tunisia. Welcome, Jalila. And she is a great writer and director. She many things. She is the leading writer from the Arab world, the most significant one, on par with Salat Vanous, who is no longer with us, but whose plays we also published, like the ones we with Jalila Bakar. And so it's a great a pleasure and honor for us to have her with us. So again, thank you so much. Translating is Amanda Gunn, who is a student and a PhD student of literature here at in the US at Harvard University, who participated in our Caribbean playwright exchange last year. So also, Amanda, welcome and thanks for helping us out. So just to start, Jalila, where are you right now? What time is it? Voilà, où êtes-vous? Quelle heure est-il? Alors, bah, je suis à Tunis, je suis chez moi dans mon appartement avec mon mari, je m'appelle Jaibi, et ma fille, Essia, et ma chienne, Wawa. Et il est 17h à Tunis maintenant, et je suis en plein confinement. So I'm in full lockdown here in my apartment in Tunis. It's 5 p.m. and I'm here with my husband and my daughter and my dog. What neighborhood in Tunis do you live? C'est dans quel quartier que vous habitez? Je suis enfin pas le plein centre de Tunis, mais des banlieues, une banlieue très proche. Not completely in the downtown, but in a neighborhood on the outskirts, but very close to the center. How is the situation in Tunis? How is the mood on the street, the atmosphere? Oui, c'est comment la situation, l'atmosphère? Alors, j'ai noté quelques chiffres pour le corona, pour qu'on soit un peu, pour que ce soit clair pour vous. I looked up a couple of statistics so that it would be clear for you. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous sommes à Tunis à 975 cas. So here in Tunis, we have 975 cases.
279 cas sont guéris. So 279 have been cured. 17 en réanimation. 17 are on life support. 76 sont hospitalisés. 77 are hospitalized. Et 563 à peu près sont suivis chez eux. So 563 approximately are being followed at home. Et enfin, 40 décès. And 40 deaths. Nous sommes en confinement depuis le mois de mars, vers le 19 mars, je crois. We've been on lockdown since around the 19th of March. Et il y a un couvre-feu depuis le 22 mars. Since the 20th of March, there's been a curfew. Curfew. Mm-hmm. Et puis, à partir de lundi prochain, c'est-à-dire le 4 mai, on commence le déconfinement, mais par étapes. So starting on the 4th of May, they're going to begin to lift the lockdown, but only in stages. Bien sûr, Tunis, comme toutes les villes du pays, comme toutes les régions du pays, tout le monde est, tous les Tunisiens sont inquiets, je pense, comme tous les hommes et toutes les femmes du monde. Ça, c'est une pandémie, et donc je crois que l'humain affronte ce virus à peu près de la même, là on revient vraiment vers l'humain. So of course in Tunis, like in all the other cities in the country and all the other regions in the country, Tunisians are very worried, but really it's like all the other cities in the world and all the other places in the world, every man and woman is sort of confronting the virus in some senses in the same way, and this is really where we get back to what is human. Je crois que l'angoisse est la même. I think the anxiety is the same. Les questionnements sont les mêmes. The questions that we're asking ourselves are the same. Et l'inquiétude est la même. Quoi. Yeah, the worry is the same. Et j'espère, l'espérance et l'espoir sont les mêmes. And the hope is also the same. Voilà. The numbers seem relatively low. Do you have a feeling the virus has already arrived, or you think the big wave is still coming? Ouais, est-ce que vous pensez qu'il y a une vague à venir parce que les chiffres ne paraissent pas démesurés? Est-ce que vous pensez que le pic va arriver? D'après les spécialistes, et là, il y aurait peut-être un pic. On l'attendait il y a une semaine, mais ce n'est pas arrivé. Il y a une semaine ou une dizaine de jours, mais ce n'est pas arrivé. Mais peut-être, bon, ce qu'ils nous disent aujourd'hui dans la conférence de presse qui a été donnée, c'est qu'il se peut qu'il y a une autre vague qui pourrait arriver. Et dans ce cas, on revient au confinement général. So, and it's been about a week, they've been waiting for a peak. According to the specialists, it was supposed to arrive and that hasn't quite happened. But according to the press conference that was given today, there's a possibility that another wave would arrive sometime later. And in that case, they would go back to lockdown. Since yesterday, many states in the United States made wearing a mask obligatory. How is the situation on the street? Do people go out during the day? Can they, in France, you have to sign a paper. So how is it in Tunis? Oui, alors depuis hier, le port des masques est obligatoire aux États-Unis dans certains endroits. Et c'est comment chez vous dans la rue? Est-ce que les gens peuvent sortir ou comment c'est? C'est-à-dire, oui, les gens peuvent sortir pour aller faire des courses. Il y a des autorisations spéciales pour les gens qui travaillent et qui doivent circuler. Il y a certains quartiers ou certains, ça dépend parce que le confinement n'est pas le même pour tout le monde. Les inégalités sociales sont très importantes. So yes, people can go out and go shopping. There's special authorization for people who need to move about in order to do their jobs. But of course, the lockdown is not the same for everyone. And so it's not the same in every neighborhood. Social inequities have only been made more clear by the situation.
C'est-à-dire pour tout le monde, devrait y avoir les barrières habituelles, quoi, les gestes de barrière, c'est-à-dire rester à 1,5 mètre, 2 mètres des autres, porter un masque, se laver les mains plusieurs fois par jour ou le gel. Mais les gens ont peur, oui, ils essayent de le faire, mais quand ils sont obligés d'aller au poste à la poste pour chercher un mandat, ce n'est pas toujours possible, quoi. C'est, et puis, pardon. So of course, everyone knows that they should be respecting the types of precautions to stay 2 meters apart, to wear a mask, to wash their hands multiple times a day. And so the people who are able to are doing that. However, in many cases, for example, if you have to go to the post office to get a money order and it's absolutely necessary for your survival, there's no way to manage that. Et puis, quand on est en confinement dans une villa avec jardin ou dans un grand appartement aéré, c'est une chose. Mais quand on est confiné dans, je ne sais pas moi, 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, à 3 ou à 4 ou à plus, ça devient problématique. Et puis, culturellement, dans certains quartiers, les gens vivent socialement plus, ils vivent plus ensemble, c'est-à-dire les voisins, il y a des rapports sociaux qui sont tout à fait différents dans certains quartiers. Et là, le confinement est très, très, très dur à suivre. So, of course, it's one thing if you're in a villa with a big garden or in a beautifully aerated apartment. But if you're living in 20 or 30 square meters with 3 people or 4 people or more, some of those things are impossible to do. And then in some neighborhoods, the social relationships are very different. People are more used to living in close proximity and having contact with their neighbors. So it's a very different story there. Jalila, for decades, you have been an artist whose work is socially engaged, politically engaged, but also through your work and playwriting on a wonderful artistic and aesthetic quality. As an artist, how do you experience the moment? Alors, depuis des décennies, vous êtes une artiste avec un travail qui est socialement, politiquement engagé. Vous êtes aussi auteur avec une qualité esthétique extraordinaire. Alors, en tant qu'artiste, comment vivez-vous ce moment? Moi, je pense que cette pandémie, c'est comme si on mettait les compteurs à zéro, pratiquement. Je pense que face à cette angoisse terrible qui touche tout le monde, on est poussé à se reposer des questions essentielles. I feel like the pandemic has sort of turned the dial all the way back to zero, so that in the terrible anxiety in which everyone is living, we're all obliged to start asking ourselves again the really fundamental questions. Tout est remis en question, en fait. Everything is brought back into question. Les rapports sociaux. Social issues. L'autre devient un danger potentiel. The other becomes a potential danger. On est séparé des siens. Being separated from loved ones. Moi, j'ai pas vu ma famille, ma grande famille, mes frères, mes neveux, mes nièces, mes amis depuis presque 2 mois. For about 2 months, I haven't seen any members of my extended family, brothers, nieces, anyone.
On se pose des questions sur l'existence, bien sûr, sur l'humain, sur et puis par rapport au théâtre, c'est sur l'avenir. Le théâtre, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'avenir de cet art. So we're asking ourselves existential questions about what it means to be human, and in terms of theater, it's about the future. What is that art going to be in the future? Je n'arrive pas à. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse nette, claire. Il n'y a pas de recette. Il n'y a rien. Donc, on tourne en rond. Moi, je passe beaucoup de temps à la cuisine. Je fais beaucoup de cuisine. On entend les informations d'un peu partout du monde entier et du pays, bien sûr. Et voilà, la réflexion est plus importante en ce moment que l'écriture ou que la pratique elle-même, bien sûr. So there's no clear answer to that question. Obviously, we're all thinking about it, kind of going around in circles. I cook a lot. I spend a lot of time in the kitchen. And reflection right now is perhaps more important than writing or practice. You talked about essential questions. What questions do you have, and are you finding new answers? Oui, vous avez parlé de questions fondamentales. Quelles sont vos questions, et est-ce que vous y trouvez des réponses nouvelles? Les questions, c'est vraiment l'avenir de certains arts, pas de tout. Parce qu'on m'a posé une fois une question sur l'avenir du théâtre, et moi, je pense que la danse ou le théâtre, la danse, c'est pas un mouvement seulement. Et le théâtre n'est pas seulement parole ou texte, c'est du corps à corps. Et ce corps à corps est remis en question maintenant. Donc, c'est ça, là comment... Let's translate a moment. Mm. So the questions are really about the future of not only theatrical art, but some other art. Someone once asked me about the future of the theater. And I think that just like dance is not only movement and theater is not only language, both of them are about body to body presence and body to body contact. And if that's not possible, what is that going to be? Il y a aussi des réflexions sur l'espace et le temps. L'espace prend une dimension tout à fait différente en ces jours. Le temps aussi, le temps qui s'étire et le temps qui court, et l'isolement, l'enfermement. Il y a des questions sur l'être humain, sur sa fragilité. Un peu partout, sur les limites de la science, tout ça, c'est des questions que se posent, j'imagine, que se posent énormément de gens. So there are questions also of space and time that are becoming very different. So space, especially in this moment where everyone is stuck in one space, and then time, which is in some cases feeling like it's stretching out, in other cases going extremely quickly. The question of isolation, and it's existential questions about what it means to be a human being, about the limits of science, these questions that probably everyone is asking themselves. Il y a aussi des... On est obligé, enfin, on est amené à remettre en question ou à penser à la liberté, la liberté individuelle, les libertés, la liberté de circuler. Les frontières se ferment, et même à l'intérieur d'un même pays, entre les régions. Donc, la liberté de circuler, les libertés individuelles sont remises un peu en question.
So we're brought to question also individual freedoms, the freedom of movement, for example, borders are closing, and even within a same country from region to region, movement is being limited. So the question of individual freedom has also become very important. Et puis il y a les problèmes sociaux, les problèmes sociaux, vous savez que, par exemple, en Tunisie, la violence faite aux femmes a été multipliée par 4 ou 5 ces derniers temps. Donc, on ne peut pas ne pas être à l'écoute de tout ça. Les problèmes économiques, il y a plein de gens qui risquent, enfin qui ont déjà perdu, qui sont perdants. Déjà la Tunisie avait énormément de problèmes économiques avant la pandémie, mais aujourd'hui ça devient très grave. So social problems as well, the rate of violence against women has multiplied by 4 or 5 times since this started. So one cannot possibly ignore that. And then also economic questions. So Tunisia had quite a difficult economic situation before the pandemic, and now with so many people having lost or risking to lose their jobs, that becomes essential as well. Le chômage risque, c'est-à-dire il y a aujourd'hui, comment nous vivons la pandémie, mais il y a l'après. Pandémie qui risque d'être très grave aussi. So in terms of unemployment, there's this moment right now and how we're getting through the pandemic, but the future also risks to be quite difficult in terms of unemployment. Voilà, c'est toutes ces réflexions qui à nous quoi, cette angoisse que nous partageons, je pense, et qui n'a pas de frontières comme cette pandémie, qui n'a pas de frontières ni de sexe, ni de genre, ni de race, ni de compte en banque, ni de couleur de passeport, rien. Tout le monde vit, je pense, plus ou moins, les choses avec quelques différence, mais l'angoisse réelle existe et est partagée un peu par tout le monde. So these are the thoughts and the questions that we're living with. Ah, il y a problème. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous avez entendu, ça va? Oui, c'est bon. So these are questions that they don't have any borders, just like the pandemic. They affect all genders, all creeds, all races, all bank accounts, that these types of anxieties, with differences, but we're living more or less the same anxieties everywhere right now. Jalila, I think creating theater in Tunisia already has been complicated, if I understood right. The uprisings on the street, the political situation. Will this make it more complicated to make theater? Alors, si je comprends bien, ça a toujours été difficile de faire du théâtre en Tunisie. Il y a les soulèvements, les bouleversements politiques. Alors, est-ce que, selon vous, ça va devenir encore plus difficile en fonction de la situation actuelle? Ça n'a pas été très difficile, de faire du théâtre. Vous savez, le théâtre, je ne parle pas de la qualité, mais il y a énormément de troupes et l'action culturelle est assez intéressante, en tout cas en Tunisie. Bien sûr, nous avons vécu en 2011 la révolution tunisienne, enfin le début de cette vague de révolution dans les pays arabes qui a commencé en Tunisie. On arrivait quand même à travailler et il y avait une production assez dense.
So it wasn't. It wasn't that actually that difficult to make theater in Tunisia. Of course, the quality could vary, but there were lots of troupes that were active in a very vibrant cultural scene. And of course, in 2011, there was the Tunisian Revolution, the beginning of this wave of uprisings of the Arab Spring, but which started in Tunisia. However, they were still able to work and get on with it. Faire du théâtre aujourd'hui, tous les espaces culturels sont fermés et c'est un grand problème parce que surtout au mois de Ramadan, nous sommes en plein mois, le début du mois de Ramadan et nous sommes l'été approche et pour les artistes, ce sont les saisons où on travaille le plus. So, of course, now making theater seems to be impossible. All cultural spaces are closed, and especially it's quite critical as this moment, the beginning of Ramadan and then moving into the summer, are the seasons when artists work the most. Et comme tous ces espaces sont fermés, donc il y a impossibilité de donner des représentations. Donc nous sommes au chômage. If all the spaces are closed, there's no possibility of putting anything on. So everyone is unemployed. Mm-hmm. During the 2011 uprising, that was the beginning of the Arab Spring. Was your theater involved? Was it also closed theater, like now, or were there performances on the street? What happened in 2011? Oui, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du théâtre, de la pratique du théâtre en 2011? Est-ce que les théâtres ont fermé? Est-ce que votre théâtre a participé à des soulèvements politiques? Comment c'était la situation vis-à-vis du théâtre? Depuis 2011, c'est ça? En 2011. En 2011, oui, pendant bien sûr, mais pas longtemps. On a fermé le théâtre. On avait une salle au centre-ville parce qu'il y avait encore un couvre-feu, mais. Quand il y avait le couvre-feu, on ne jouait pas, mais après, les théâtres ont ouvert et on a continué à travailler normalement. Il n'y a pas eu à part la période début janvier, mi-janvier jusqu'à la fin de janvier, mais sinon après, on a continué à travailler sans problème. So the theaters did close, but for not very long, only from the period about beginning to middle through the end of January of that year, because there was a curfew, their downtown theater did have to close, but after that everything reopened and then they could go back to work more or less normally. C'est-à-dire les moments où on a arrêté de travailler, c'était quand il y a eu des attentats terroristes où on a été obligé pendant un certain moment, de fermer pendant 2 ou 3 jours quand il y avait un deuil national, mais on a continué à produire. Et dans notre compagnie Familia Production, et puis ensuite, quand Fadel Jaibi, mon mari, a été nommé directeur du Théâtre National, on a créé deux spectacles pour ce théâtre. D'accord. So the only times that they really had to stop working were when there would be a terrorist attack, and then for 2 to 3 days they would close and stop work for the period of national mourning. But after that they would go back to work, and they produced several pieces with the Familia production company. And then when Fadel Jaibi was made director of the National Theater, they then made work through that theater. Et là, dernièrement, le dernier spectacle où j'ai joué, j'ai pas écrit, mais où j'ai joué, c'est un spectacle qui a été produit par Familia, et c'est un spectacle qui a été réalisé par ma fille, Essia Jaibi, et où moi j'étais seulement comédienne.
So the last play that I was in, I was an actress, not the writer. It was a production done by Femia Productions and directed by my daughter, Asia Javi, where I was just an actress, not anything else. So really a family production with your husband and your daughter and yourself. Une affaire de famille. Mais ce qui est intéressant à soulever, peut-être que quand on était quand il y avait un couvre-feu, par exemple, pendant la période de la Révolution, ou même après, pour certains terrains, ça n'a pas le même. C'est le couvre-feu comme aujourd'hui, mais ça ne ressemble pas au couvre-feu d'avant, parce que c'est l'angoisse n'est pas la même. Et la peur n'est pas la même. Et là, avant, on arrivait à fermer la porte, à rester chez nous, mais on savait que le lendemain, on pouvait sortir sans problème. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Et c'est en ça que c'est une période vraiment inédite que nous vivons. So it's interesting that before, when there would be a curfew, everyone would stay inside for a few days, but it would happen with the knowledge that one would be able to get out within a day or two, go back to work, things would return to normal. Now in this curfew, the situation in a sense is the same, everyone has to stay inside, but there's no, the anxiety and the fear are not at all the same. There's no sense of when things will return. Je vais revenir sur la question de Franck de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait, on a continué à travailler après la Révolution. C'est-à-dire, on donnait des représentations. Mais moi, par exemple, je n'ai pas réussi à écrire une ligne avant plus d'un an. I wanted to go back to Frank's question about what happened after the Revolution. And so we continued to put on productions, but for example, I was not able to write a single line for about a year. Il y avait des artistes qui arrivaient à suivre le moment, c'est-à-dire des photographes, des cinéastes, des dessinateurs, des poètes, mais pour certains arts comme le théâtre, il fallait prendre de la distance pour pouvoir créer pour pouvoir présenter et donner leur spectacle. So there were artists who were able to kind of capture and move with the moment, photographers, cinematographers, filmmakers, illustrators, but for other artists, like theater artists, we had to take a step back and let some time pass in order to be able to integrate those events into our art. Aujourd'hui, les choses sont tout à fait différentes parce que ce n'est pas, on arrive, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et c'est ça le plus grand problème. C'est-à-dire, personne ne peut répondre à aucune question. Et c'est ça notre problème. Today things are completely different because nobody knows what tomorrow will be made of. So absolutely no one can respond to any question, really. That's the major difference. Et là, peut-être qu'il faudrait, là maintenant, je n'ai pas de réponse, mais il faudrait peut-être trouver une autre manière de communiquer, une autre manière d'écrire, une autre manière de... mais là, je n'ai pas réellement une réponse claire et nette là-dessus. Je n'ai pas de recette. I don't really have any clear answers, but perhaps it would be best to try to find a new way to communicate, a new way to put work out there. But I don't really have any clear sense of what that would be. Did your work, your theater work, change fundamentally after the 2011 revolution? Do you think your theater work will change after Corona? Alors, est-ce que votre théâtre a changé après les événements de 2011 et est-ce que votre théâtre changera en fonction de ces événements que nous sommes en train de vivre? Notre théâtre n'a pas changé après, c'est-à-dire notre manière de travailler n'a pas changé. Je ne travaille pas seul, je travaille avec Favel
et principalement. Et nous avons continué à travailler de la même manière, c'est-à-dire on travaille beaucoup sur... nous travaillons en équipe, nous travaillons beaucoup avec les comédiens, nous travaillons beaucoup sur l'improvisation et nous travaillons sur les thèmes de la société tunisienne, enfin que nous propose la société tunisienne, les aspirations, nous faisons un peu ce qu'on appelle un théâtre citoyen, c'est-à-dire nous sommes très très proches des problèmes du Tunisien, donc après la révolution, rien n'a changé pour notre manière de travailler. For our way of working, no, nothing changed. I don't work alone. I work with my husband Fadel and with many others, and we work a lot with actors. We work with improvisation, and we continued working very much in the same way. We consider it to be a citizen theater, so we work on themes that are sort of offered to us by Tunisian society, the fears, the hopes, the realities, and so that no did not change. Nous avons fait après la révolution trois spectacles, l'un produit par Familia et les deux autres par le Théâtre National. Le premier, Yahya Ish, qui a été traduit, je crois, en anglais et produit par vous, édité par vous. Et donc, c'est Tsunami. Donc, Tsunami, c'est un peu la chronique de la révolution. Ça, c'était le premier spectacle. So we did three productions after the revolution, one under the umbrella of Familia and two with the National Theatre. The first one, which was Tsunami, which was translated and published by you, Franck, I think. Yeah. Marvin Carlson, who did the translation, edited the book, and also is a great supporter for our talking series. We wanted to thank, yes, we published the Trilogy of Future Memory, and I think Habil Cherny was a co-translator. Okay, so yeah, the first one, Tsunami, was the one that chronicled the kind of wave of uprising of that first period. Et le deuxième spectacle s'appelle Violence. So the second one is called Violence. Et ça parle de la montée de la violence dans la société tunisienne de l'après-révolution. So it talks about the rise of violence in post-revolutionary Tunisian society. Et le troisième spectacle, alors là, c'est vraiment, s'appelle Peur. And the third play, and now that's very indicative, is called Fear. Et ça parle d'un groupe de randonneurs, de scouts, qui sont confinés, qui sont pris par une tempête, et qui se retrouvent confinés dans les ruines d'un hôpital et ils n'arrivent pas à s'en sortir. So that one is about a group of hikers who get trapped during a sandstorm inside of an abandoned hospital and they can't leave, so they're locked in there together. Et c'est un spectacle qui a été produit il y a 2 ans. Yeah, and that one was produced 2 years ago. An incredible image, almost like now we are all in hospitals, a sandstorm is going on, and we are on our own. Là, on est tous isolés, un peu dans isolés, confinés. pour aujourd'hui, il y a des réflexions, quand je dis, mais est-ce que ça fait un théâtre? Comment nous allons nous retrouver sur scène? Comment? Parce que le théâtre, c'est pas seulement, il y a les rapports entre les artistes eux-mêmes, entre les artistes et les techniciens, mais le rapport principal, c'est avec le public. Si ça devient un art virtuel, ça ne ressemble plus au théâtre, ça deviendrait autre chose. Les sens sont complètement bannis du virtuel. Le virtuel, c'est pas la réalité. Le théâtre, c'est ce rapport. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un corps à corps, le théâtre. Donc, And that's really a question now. If
if all theater becomes virtual, then the essence of the art is out, completely gone, because it's not only the relationship, you know, of actors to one another, of actors and technicians, but of course the essential relationship of an actor to a live audience and the body to body presence. And so if that's no longer possible, then that's kind of the end of that particular art. Yeah, it will be interesting what a new trilogy of the future memory might be a couple of years after COVID if you decide to write it. How is your government supporting artists? How is your production company, Familia, supported? What situation are you in? Ouais, alors, est-ce que le gouvernement vous soutient? Est-ce que vous recevez un soutien quelconque du gouvernement pour votre compagnie de production ou autre? Au fait, en Tunisie, depuis avant la révolution et maintenant toutes les troupes, il y a maintenant des centaines de troupes indépendantes. Bon, une centaine travaillent réellement. Il y a aujourd'hui 25 centres dramatiques un peu partout dans le pays. Il y a le théâtre national, il y a le théâtre des marionnettes, et toutes les troupes pratiquement ont une aide à la production selon. Let's translate a moment. Mm-hmm. So this was happening before the revolution, and now there are about 100 independent theater companies that are really working throughout the country. There are 25 drama centers throughout the country, a national theater, theater of marionettes, and all of them receive some degree of government support. Mais selon certaines conditions. But with some conditions. C'est-à-dire, par exemple, le dernier spectacle qui a été le spectacle de Esia, on n'a pas eu d'aide. For the last play that they did, which was directed by Esia, they did not receive any support. Parce que les conditions n'existaient pas parce qu'il fallait, il y a un pourcentage entre artistes professionnels, c'est-à-dire avec une carte professionnelle, et un pourcentage d'artistes sans carte professionnelle, donc on n'avait pas le quota. J'étais la seule à être une professeure, c'est des jeunes qui n'ont pas eu de carte, donc on n'a pas eu l'aide à la production, mais c'est un spectacle qui a beaucoup marché, et donc... a pu survivre et vivre sans l'aide du ministère. Hmm. So with that play, there are conditions that have to be met, a kind of quota of what percentage of the cast are professional artists with a specific validation card, like an equity card, I would imagine. And so in this one, it was a lot of young up-and-coming artists, and she was actually the only one to have a professional card. So they did not receive any government support, but because the play was very well received and people were interested in it, it was able to survive and have a life without that support. Will you get additional support now during Corona for your company from the government? Ouais, alors est-ce que vous allez recevoir des subventions supplémentaires en raison de la situation? Il y a la nouvelle ministre, parce qu'au fait, nous avons le nouveau gouvernement tunisien a commencé à travailler pratiquement une semaine avant le début de la pandémie. Donc c'est vraiment il n'a pas beaucoup de chance, ce nouveau gouvernement. The new Tunisian government started work about 1 week before the pandemic, so they've got a new minister, but it's had a difference. You don't have much luck, that new government. La nouvelle ministre, c'est une femme, la nouvelle ministre a promis des aides aux artistes en général et aux compagnies qui sont en difficulté, oui.
So the new minister, a woman, has promised aid mm-hmm. to artists of all types and to companies mm-hmm. that are in difficulty. Julia, you have followed a history over decades in Tunisia, and you are an artist. What do you think about the history and theater in general? Well, how does it fit together, history and theater? Oui, alors, ça fait des années que vous suivez non seulement l'actualité, mais aussi l'histoire du pays. Comment est-ce que pour vous l'histoire et le théâtre sont liés? Moi, je pense que le théâtre et l'art en général, bien sûr, on dit que la culture, les arts ne résoutent pas les maux M-A-U-X de l'humanité, mais sans la culture, sans les arts, l'angoisse, l'être humain les a créés pour justement essayer de faire passer cette angoisse vis-à-vis de la question qui se pose aujourd'hui avec une acuité incroyable, c'est les questions vis-à-vis de la mort. Et donc, le théâtre fait partie... Pardon. Oui. Now, so people often like to say that culture and arts don't cure the ills of society, but I think that theater and art in general can help move through what happens. And there's the question that is being posed today most acutely is that of death. Et le théâtre, plus que peut-être, moi je le pense en tout cas, plus que les autres arts, et reste quand même un espace de liberté et d'expression vis-à-vis de l'autorité, mais des autorités, vis-à-vis de tous ceux qui enferment l'homme ou le ferment dans un carcan figé. So theater, at least I think theater more than all the other arts, creates a space of freedom, a space of freedom from authority, from multiple authorities, and that can work against all those who wish to lock the human up in a fixed cage. Nous avons travaillé avant la révolution. On avait un adversaire, c'était le régime. On a travaillé contre ce régime-là. On a essayé d'exprimer les aspirations, les doutes, les forces et les faiblesses du citoyen tunisien. Nous avons continué après la révolution et je crois qu'on va essayer, j'espère en tout cas, au moins au niveau de l'écriture pour le moment. Before the revolution, we let's say translate. Before the revolution, we had an adversary. We worked against the regime, and our idea was to transmit the hopes and the doubts, the strengths and the weaknesses of the Tunisian citizen, and we continued to do so after the revolution. And I hope that we will continue to do that after this, I at least through writing for me. Et le théâtre a été, en tout cas en Tunisie, notre compagnie, mais d'autres compagnies aussi, très influents au niveau de la pensée libre en Tunisie. Il y a 4 ou 5 troupes qui ont beaucoup fait pour cette liberté d'expression avant la révolution. Et il y en a qui continuent à travailler. Il y a une autre génération qui monte. Et voilà. So our company and
our company and several, there were four or five other companies that were quite influential before the revolution in working for this freedom of expression. And we continued to do so after the revolution, and there are companies still working now and a younger generation that's coming up that's working in the same direction. There are many taboo subjects. Que nous avons, nous et les autres, que nous avons abordé, problème de la religion, de l'extrémisme religieux déjà, de l'homosexualité, de la presse, de la schizophrénie sociale, voilà, donc ces sujets-là qui ont été abordés avant la révolution, qui étaient des sujets qui n'étaient pas abordés dans la des sujets tabous, voilà, et puis on a continué avec les mots, M-A-U-X, avec des mots, M-O-T-S, à décrypter et à essayer de relever tout ce qui fait la spécificité, les spécificités bonnes ou mauvaises, positives ou négatives tunisiennes. Mm-hmm. So there were lots of taboo subjects that we talked about before the revolution, religious extremism, homosexuality, freedom of expression, freedom of the press. So lots of subjects that other people weren't talking about. And so we continued to do that now. You know, we're using our words to address the ills that are happening now after the revolution, and trying to do as best we can to really get at the specificity of the reality of the Tunisian experience. Jalila, do you think people will again go on the street and demand change, or has change happened? Alors, est-ce que vous pensez que les gens ils vont descendre dans la rue, ils vont réclamer un changement, ou est-ce que le changement s'est déjà produit? Un changement quoi, politique? Politique, oui, dans la société. S'il y a des difficultés économiques, s'il y a une crise économique, oui, je pense que les gens, on ne sait pas de quoi demain sera fait avec tous ces problèmes-là, comment le gouvernement va s'en sortir, quels sont les... Mais je pense que s'il y a problème, si les problèmes deviennent très graves, plus graves qu'ils ne sont, oui, je pense qu'il y aurait, pourrait y avoir des émeutes, oui, pour que, si les choses s'aggravent, oui. So if things get worse, if there are economic difficulties that become severe or problems that get much worse than there are now, and we don't really know what tomorrow is going to look like and how the government will react. But yes, if things get very, very bad, there will probably be riots, yes. Mais moi, je pense qu'il y a, si le monde, parce que là, c'est vraiment pas un problème, c'est pas des problèmes régionaux, c'est le monde entier. Donc, si, parce que, vous savez, la Tunisie, nous avons une guerre civile en Libye qui est juste à nos frontières. Il y a des guerres encore qui se font. S'il n'y a pas une forme, si on continue à penser au niveau de la société individuellement avec une forme de fermeture, s'il est au niveau géopolitique, c'est les pays les plus nantis n'essayent pas, on voit ce qui s'est passé en Italie par exemple, et l'aide qui n'a pas été faite, même en Europe, à l'Italie, ce qui s'est passé en Italie. On ne sait pas, la géopolitique est une question, on ne sait pas de quoi tout cela sera fait demain. So it's not, this is not just a regional
moment that we're living. It's a worldwide moment. And, you know, in Tunisia, there are, you know, there are civil wars going on in Libya that are right, you know, at the border. There's wars going on elsewhere. So if, you know, if aid from countries with more resources doesn't arrive, we had the chance to see how even in Europe, what happened in Italy, where not enough enough aid was able to be provided. You know, if that happens in our areas, we really don't know what's going to happen. Mm-hmm. Moi, je pense que si on essaie, malgré cette pandémie, ou peut-être grâce à cette pandémie, si on n'essaye pas de réinventer les rapports humains, s'il n'y a pas une volonté d'ouverture sur les cultures du monde, sur l'autre, malgré ça, si on ne va pas vers l'autre, si on n'essaye pas, si on ne tient pas bon pour que cette pandémie ne soit pas le prétexte de lever d'autres murs, de fermer d'autres frontières, il faut résister à tout cela, pas au niveau régional seulement, mais au niveau aussi international. So you know, there are risks if we don't use the pandemic as a way of opening up our relationship to the other, of trying to see and go toward other cultures, if it becomes the pretext for raising more walls and closing more borders, then the situation could become much, much worse. Parce que cette pandémie, qu'est-ce qu'elle nous donne? Nous, les premiers cas nous sont arrivés de France, d'Italie, d'Égypte et de Turquie. So what does the pandemic show us? Here, our first cases, they arrive from France, from Italy, from Egypt, from Turkey. Donc, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. No one is safe. No one is away from it. Yeah. C'est la leçon qu'il faut essayer de résister pour sauver la terre et les terriens, les humains, pas seulement la région, les citoyens d'une région. So that's the lesson that we have to take away from this if we're going to save everyone living on Earth, is that it's not just a matter of a single region or a single place. It's all of us. Yeah, like music in a way. Also, a virus doesn't care about borders and lines and ouais, comme class. Comme la musique, le virus ne fait pas attention aux frontières. Yeah. So, Jalila, are you able to write at all? What? How do you spend your day? Do you do work? Alors, est-ce que vous écrivez en ce moment? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Au fait, j'arrive pas à me concentrer sur des choses précises. Donc, je suis comme les abeilles, je butine. I have trouble concentrating on specific things, so I'm like a bumblebee, I kind of flip between different ones. Et la tête fonctionne terriblement. My brain is working terribly. So you are not writing? Non, vous n'écrivez pas du tout. Des petites choses, mais pas poems. Des poèmes. Non, pas des poèmes, des réflexions. Réflexions. Yeah. Little things, thoughts. Mm-hmm. We are getting also slightly closer to the end of our talk. To our listeners who listen in, but also young artists or artists in general, what advice would you give them from your experience, having lived through so much with Tunisian history and experiencing the moment of enclosure now? What is your advice? What to do? Voilà, on arrive à la fin de l'heure presque. Donc pour les artistes jeunes ou même les artistes en général, est-ce que vous avez des conseils, ayant vécu non seulement toute l'histoire tunisienne, mais aussi cette période maintenant du confinement, quels conseils est-ce que vous auriez à donner? Comme j'ai dit tout à l'heure, cette pandémie remet vraiment les pendules à l'heure, donc à zéro plutôt, et montre à quel point nous sommes fragiles.
So like I said before, this the pandemic has really brought the dial back to zero and has showed us how fragile we all fundamentally are. Et donc, pendant les moments de crise, la volonté de vie, comme il y a un poète tunisien, un autre grand poète tunisien qui a écrit un poème, et il y a deux vers qui existent dans l'hymne national tunisien, la volonté de vie, est telle, si elle est importante, on casse tous les obstacles. Mm. Voilà. In a moment of crisis, the most important is this instinct to life. And so there are two lines from one of Tunisia's greatest poets that they're in the national anthem, which is that the will to life in overall, the will to life breaks any obstacle. Résister. Aimer. Love. Espérer. Hope. Et continuer à rêver. And continue to dream. Well, thank you, Jolita. This is truly meaningful, and it's something to be taken very serious when she says to you should resist, you should dream, you should go on and with your work. So really, take that all serious, I think. This is from someone who knows. Prendre au sérieux ce que vous dites. Pardon? Il dit qu'il faut prendre au sérieux ce que vous dites. It is serious and good advice. And thank you, Jolita, for joining us. Merci beaucoup. Merci à vous. Très heureuse d'avoir été avec vous et de m'avoir donné cette occasion de communiquer et de dire, de parler de Tunis et de la Tunisie. Merci. Very happy to be here. Thank you for giving me this opportunity to talk with you and to speak and to talk about Tunis and Tunisia. Thank you. Yeah, it is very important, the theater country with a long history, a great theater scene, and it's important that we hear from Tunisia. Your work is very important, Jolita. We admire you and what you have done over decades with the Pamilia production, with your family, and it is truly a model. Hans Thies Lehmann said, theater is a house and it has many rooms. And one of those rooms is the Jolita Bakar Familia room, and it's something that we all should visit more, and also we should know more about. Tomorrow we have Peter Sellers, the great American director with us, who will speak with us about what is on his mind. I think this will be also a significant contribution, like today or like yesterday from Haiti, Rimini Protocol on Monday, and from Germany, the updates from around the world. We all affected, this virus connects us all. And on Friday, we have Oscar Eustace, who runs the Public Theater in New York City, talking with Tony Torn, who runs the great actor, small theater for 20, 30 people out of his living home from his father. So we will go on and next year hear from Argentina and many other places. So thank you all for listening. We need great theater. We also need great, great audiences. Your listening makes us think that there are good audiences out there, and the work of Jolita is significant. And thank you for listening to her and what she had to say. Amanda, wonderful translation. I know that is not easy. That was wonderfully done. My pleasure. Thank you. And join us all again. Thanks to HowlRound at Emerson College for hosting us each day now for 4 or 5 weeks. I know it's a big thing you took on additionally. So to Vijay and Thea, to Travis, the Siegel team, everybody, thank you very much. And I hope we will hear from you tomorrow. So goodbye. And Jolita, stay safe. Hope to see you in New York again, or we come and visit you. Bye bye. Au revoir. Thank you. Au revoir. 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 Au revoir.